La maison dont il s'agit est située rue Poissonnière, au coin de la rue d'Enfer, à laquelle elle tint d'autre côté ruelle de 6 pieds, sur laquelle nous a été déclaré que les propriétaires, tous deux, et la maison que se démarrait étant de l'autre côté de la ruelle, avoisinant droit, entourant la bâtisse respective, de prendre chacun 3 pieds, d'un bout rue Poissonnière, l'autre au fond du jardin, au marais des prés otaries de Monsieur de Montaulois. Cette maison conjointe, tache d'encre, édifiée, civelée, un rue Poissonnière, a donné d'un rez-de-chaussée, premier étage et grenier au-dessus duquel couverte ensuite à deux égouts courts, ensuite à droite de laquelle un petit jardin, à gauche un édifice à partie, chevet d'un rez-de-chaussée, premier étage, le grenier pendu au-dessus, couvert ensuite par un égout dans la droite cour. Au fond de cette cour est le logis principal d'un étage à counelle de rez-de-chaussée, deux étages carrés et grenier au sommet à mettre à deux gouttières. La dernière tournée de cet édifice à droite en seulement trouvé le en contour de Louvet, de ceux de Bachet à côté de laquelle à droite séparant la cour d'une nouvelle ruelle a été parlé. Bonjour, chers auditeurs. Le but de cette vidéo est de vous présenter un dessin de Charles-Henri Sanson tel que présenté par le mangaka Shinichi Sakamoto, mais en version historiquement correcte, ainsi qu'une courte biographie du personnage et une description de l'arrière-plan. Pour cette vidéo, j'ai décidé de respecter le style graphique de Sakamoto Sensei du mieux que je pouvais. Aussi, comme nous sommes au printemps et que je trace ces lignes en mai, j'ai choisi de mettre des sorbiers en fleurs. Les arrière-plans somptueux font partie intégrante du style graphique du manga innocent, aspect que j'ai essayé d'honorer de mon mieux. Sakamoto Sensei utilise le traçage de photos comme technique pour son style de dessin parfois photoréaliste. Aussi, dessiner un personnage debout dans le vide est quelque peu ennuyeux. Le type de décor est inspiré, pratiquement copié, de la description détaillée des pièces offertes par le contrat de démolition et aménagement et réaménagement de l'hôtel particulier Sanson. J'ai essayé de le respecter du mieux que j'ai pu, avec des libertés ça et là où j'ai pu les prendre. Club Studio a des backgrounds de briques préfaits. Le seul problème est que le médium manga est en noir et blanc. J'ai choisi une teinte de blanc cassé pour la santé de mes yeux. Vous y verrez une pratique de traçage. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter, mais comme mon but est uniquement de recréer l'aspect du personnage tout en respectant les codes et les modes du XVIIIe siècle, et je ne prétends à aucun droit d'auteur, et ça va, je ne fais aucun profit. Maintenant, une courte biographie. Charles-Henri Sanson est né le 15 février 1739. Deuxième enfant de Charles-Jean-Baptiste Sanson et de Madeleine Tronson. Si l'on en croit Derex, il portait pour prénom d'usage celui de son grand-oncle maternel. Celui-ci avait pour particularité de ne pas appartenir au microcosme de la communauté d'ignominie
tel que l'appelait l'historien Pascal Bastien. Vers l'âge de 12 ans, il commença à aider son père aux exécutions. En 1754, Jean-Baptiste fut atteint de paralysie et Charles-Henri devint de facto le suppléant de son père. Ses premières exécutions furent celles de Mangeau et de la Les Combats. En 1757, il participa en tant que l'un des nombreux bourreaux de Robert-François d'Amiens. En 1766, sans encore être exécuteur officiel, son père n'étant ni décédé, ni non plus lui a légué officiellement ses lettres de provision, il se marie à une certaine Marie-Anne Jugier. De ce mariage naquirent deux enfants, Henri et Gabriel. Très probablement, il assura leur formation en tant qu'exécuteur, ainsi que celle de ses frères plus jeunes. Charles-Henri devint exécuteur officiel en 1778, après que son père mourant ait renoncé à l'office pour le léguer à son fils, qui exerçait déjà de facto. Pendant sa carrière, avant l'invention de la guillotine, Charles-Henri Sanson était connu surtout pour ses maladresses. Cependant, l'histoire l'a retenu pour son rôle pendant la Révolution. Il participa à l'adoption de la guillotine pour des raisons techniques. C'est lui qui décapita le roi Louis XVI en 1793. Pendant les débuts de la Révolution, il se fit surtout remarquer pour son activisme politique afin d'assurer les droits politiques de ses collègues et de lui-même, probablement en réponse de la suppression des privilèges ainsi que la tendance qu'avait la Révolution d'envoyer à la mort tous ceux qu'on soupçonnait d'être contre-révolutionnaires, et ces accusations se portaient pour un rien. Pour le design de personnages maintenant, je m'excuse chers auditeurs pour mon retard. Aujourd'hui, je vous présente un petit dessin amusant, inspiré et fortement du Charles-Henri Sanson tel que présenté par Shinichi Sakamoto. Il s'agit là d'un « redesign » entre guillemets. Avertissement, ceci ne doit en aucun cas servir à dénigrer Sakamoto-sensei. Je prie également mes auditeurs de ne pas mettre le dessin dans un programme d'intelligence artificielle. Tous les droits d'auteur appartiennent à Shinichi Sakamoto. Commençons l'image. La bonne nouvelle est que Charles-Henri peut garder ses longs cheveux naturels. Les écoliers de cette époque portaient leurs cheveux naturels et en France, ils étaient longs. Si j'en crois les sources iconographiques disponibles sur le net, certaines gravures représentaient l'exécuteur avec ses cheveux naturels, ce qui semble être confirmé par les méthodes de pendaison qui impliquaient de violentes secousses. Ils sont d'ailleurs rarement représentés avec un chapeau. Je me baserai sur les travaux de Pascal Bastien et de Jean-Michel Derex et des tableaux d'époque. Je vais utiliser le Charles du premier volume pour ce redesign. Donc, les longs cheveux naturels vont rester, mais la coiffure va changer. Les cheveux vont rester longs, mais plus raisonnablement, avec une frange et des boucles. Les habits sont relativement corrects, sauf qu'on va se débarrasser du tricorne. Dans le premier volume d'Innocent, Charles-Henri a 14 ans, l'âge auquel il a dû arrêter son éducation. Il serait difficile de savoir s'il a réellement été dans un pensionnat de Rouen ou pas, ou si son éducation fut exclusivement faite par un précepteur, mais il était un personnage plutôt bien éduqué, et d'ailleurs j'ai utilisé des portraits d'écoliers comme référence pour la coiffure. L'habit qu'il porte ici est plutôt décontracté car sans manteau, normalement on portait plusieurs couches de vêtements, mais le printemps, la chaleur et malgré les murs en pierre brute, ce dessin prend déjà assez de temps. La silhouette proposée par le manga est assez proche des modes de l'époque et j'aurais pu les garder à l'exception du motif de nœud autour du cou, mais je n'ai simplement pas le temps de dessiner un dessin aussi élaboré. Comme le personnage est assez jeune et qu'il est de bourreau, j'ai choisi de le vêtir plus simplement. Il n'était pas encore le flamboyant Sanson aux somptueux habits verts, mais à 14 ans, il était probablement perçu comme l'apprenti maladroit de Charles-Jean-Baptiste Sanson. Pour des raisons de temps et de santé mentale, je préfère
Ne pas avoir à me soucier de broderies ornementées, le projet a déjà suffisamment duré. Merci et bonne journée, je vous retrouverai dès que possible. Je ferai la bibliographie plus tard dans la description si j'ai plus que 25 vues. Si vous voulez une commission, contactez-moi sur mon compte DeviantArt à Lila 1739. Merci et bonne journée à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.